À J-13 des élections à la Fédération de football du Burundi, FFB, Alexandre Muyenge, candidat unique pour succéder à Révérien Dekuriyo à la tête de cette instance, fêtière du football burundais, a tenu une conférence de presse ce mardi 23 novembre. Dans son programme, Manalex de son sobriquet, une fois élu, promet de mettre en place une commission chargée des infrastructures. Selon lui, il est plus urgent que le Burundi se dote d'un stade respectant les normes internationales. Nous sommes obligés d'ouvrir les portes pour n'importe qui, que ce soit pour les sponsors, que ce soit pour d'autres partenariats dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas dire joueur, nous ne pouvons pas dire inhamba sans infrastructure, parce que ça va de pair. Pour dire qu'avec le ministère du sport, nous allons voir comment avoir un stade qu'il faut. Mais avant, nous allons plaider auprès de la CAF pour qu'ils nous envoient des inspecteurs en infrastructure. Comme ça, nous leur ferons visiter les stades actuels que nous avons et ils peuvent nous guider. Faites ceci, faites cela, faites ça. S'ils ne veulent pas, parce qu'ils peuvent venir, ils peuvent dire non, vous devez reconstruire un stade qu'il faut. Il faut construire un stade. Nous sommes obligés de le faire. Alexandre Muyenge est un officier de la police nationale, membre de la Confédération africaine de football. Manalex est président de la commission sécurité Fair Play à la FFB. Il est natif de la province de Muyinga, au nord du pays. Les élections à la FFB auront lieu le 5 décembre.